C'est une semi-bonne nouvelle. 2 milliards d'impôts après tout ce qui a été collecté. Eh bien, on pouvait espérer mieux du président de la République. Encore une fois, qu'il nous dise où vont aller les baisses des déficits, comment on va les enclencher, la baisse des dépenses de l'État, plus qu'aujourd'hui de faire des petits cadeaux aux Français qui, effectivement, le mériteraient. Mais on est loin du compte. François Hollande avait dit dès le départ de son mandat qu'au début, effectivement, ça allait être difficile et qu'il allait faire appel à la fiscalité de tous, des Français, mais aussi des entreprises, mais aussi des collectivités territoriales, pour redresser le pays et que la redistribution viendrait ensuite. Donc nous y sommes et effectivement, il faut relancer, il faut redonner du pouvoir d'achat, notamment aux catégories sociales les plus faibles et puis aussi aux classes moyennes, afin de relancer la consommation et puis de soutenir une croissance qui a toujours un peu de mal aujourd'hui à reprendre des couleurs. Donc c'est effectivement une bonne nouvelle.